Le texte cher aujourd'hui, Jésus, soleil des nations. Pour comprendre ce pourquoi Jésus manifeste la résurrection et qu'il nous libère, pour nous permettre de découvrir la puissance de l'événement de la résurrection, nous allons suivre un peu l'étape que Jésus lui-même a pu franchir, afin qu'aujourd'hui on dise de lui qu'il est le soleil des nations. Frères et sœurs, Luc chapitre 1er nous dit que le peuple qui était assis dans la vallée de l'ombre de la mort a vu s'élever une grande lumière. Jésus, fils de Dieu, en venant dans ce monde, manifeste cet attribut qu'on nous donne. Jésus, soleil des nations. Car la fonction et le but du soleil, c'est d'éclairer et de réchauffer. Frères et sœurs, il y a trois étapes que Jésus a franchies pour qu'aujourd'hui on puisse lui attribuer ce terme. La vision. Merci pour le pouvoir du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour sa résurrection, pour votre bénédiction aujourd'hui. Merci pour la puissance de son nom. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes cet après-midi de pouvoir te présenter à ces hommes et ces femmes, fous de toi. Béni sois-tu pour ce instant. Nous te prions d'être le maître de ce moment, le maître de l'atmosphère visible et invisible, consacre les fondements de cet espace, de sorte que tous ceux qui savent, qui fouleront le seuil de ce portail, qui poseront le pied ici, à cause de la présence de tes enfants, soient affectés par la grâce et l'excellence du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je crois que tu n'as pas changé ça. Et que ce soir, tu glorifieras encore ton nom. À travers le message, et surtout à travers la manifestation du message dans nos cœurs. Seigneur, que les cieux s'ouvrent ce soir et que la terre entende la voix du Fils de l'homme. Et à nos corps malades de recevoir la guérison. À nos mains appauvries de recevoir la richesse. Permet mon Dieu et mon roi à toutes les difficultés de nos vies de s'incliner et de t'adorer à cause de ta parole de Dieu. Nous voulons ce soir pour honorer ta présence. Acclamer ton nom à la dimension de ta gloire. Honorer les serviteurs de l'Éternel. Et celui que je voudrais qu'on honore ce soir ensemble est vraiment un serviteur de Dieu. Hein? Est-ce que dans ce... Est-ce que les condiments se mettent dans la casserole seule? Qui met les condiments dedans? Hein? C'est l'homme. Voilà. Dans le cadre de Dieu et de l'homme, nous sommes les instruments. Dieu est l'utilisateur. Et c'est Dieu qui sait ce qu'il faut mettre à tel endroit pour donner tel goût à telle sauce. Amen. 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 Dieu sait quelle pièce il faut utiliser pour que la Mercedes marche, pour que la BMW marche. Dieu sait ce qu'il faut dans la famille pour que la famille soit délivrée. C'est pourquoi quand Dieu te choisit dans ta famille, là, souvent tu n'es rien. Et c'est là que tu vas beaucoup à l'église. Cela répond à la vision de Dieu. Parce que la Bible dit, la pierre de gloire à Dieu pour tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant.
tout de suite en train de parler avec le modérateur Rambio qui disait l'Égypte. Et il m'a fait sortir d'Égypte. Je pense à Josué qui n'a pas laissé le peuple d'Égypte dans le désert, mais à ce Josué qui m'a fait entrer en Canaan. Quand je le vois, je pense à Gédéon, ce valet guéri, qui lorsque je dors, à partir de 23 heures, ce valet guéri est là, il est debout et il combat les ténèbres pour moi. Et mon sommeil est baissé. Et quand je le vois, je me rends compte que le moment est favorable. Parce que en lui, je vois le prophète Élie qui a attendu le moment de l'offrande. Après avoir dévié toutes les divinités et les principautés, il a attendu le moment de l'offrande. Et à ce moment, il a fait descendre le feu de Dieu sur la terre. Ce moment est le moment de l'offrande. Le moment de l'offrande est passé à l'instant et ce moment-là est favorable. Oui, lorsque le feu de Dieu descend, le seul prophète qu'il a fait, il avait déjà fait descendre l'Esprit Saint sur la terre. Et ce soir, on va accueillir l'homme de Dieu. L'homme qui va faire descendre le Shabbat, qui va aujourd'hui t'impacter de quelque chose de particulier à cet apothéose de l'Esprit Saint dans le temps d'hiver. Ensemble, acclamons Dieu pour la vie. Pour la vie de ton Seigneur. La vie de ton Seigneur. Pour la vie de ton quelque chose de glorieux. J'aimerais inviter de façon solennelle